Père, nous voulons t'exprimer maintenant le Dieu des paroles qui vient du fond de notre âme, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Et nous voulons atteindre le lieu le plus élevé du christianisme. Nous voulons arriver là où tu nous as destiné, Seigneur. Nous voulons que notre haute gloire à toi puisse arriver au bon port, Seigneur Jésus. Nous voulons atteindre la paix de l'épouse, haute gloire, alors que tu nous as appelé pour le domaine surnaturel. C'est pour cela que nous venons de chanter ce cantique, Seigneur. Nous voulons nous abandonner entre les saintes mains ce soir. Il a été dit que là où des trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu des Seigneurs. Ce sont des promesses qui sont infaillibles dans lesquelles le Seigneur nous place notre confiance. Nous te prions, chef suprême, de nous regarder au travers du sang de l'agneau. Car pour te rendre un service agréable, la force merveilleuse est dans le sang, Seigneur. Tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout sera possible de faire. Viens maintenant t'associer à nous cet après-midi, Père. Bénis ta précieuse parole que nous allons bientôt lire, Seigneur, et les commentaires qui seront faits. Alors que nous attendons à toi pour que nos âmes soient amenées à la perfection. Cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette réunion, Père. Bénis ton peuple qui est déjà là et ceux qui sont encore sur la route. Accorde-nous tes riches bénédictions pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ajouter le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2 à 3. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2 à 3, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés, et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire. Pour quelques paroles d'exhortation, afin que nous puissions rentrer dans nos prières, comme j'avais dit que nous allons consacrer ces trois jours de réunion, comme c'est la première semaine du mois, nous pouvons consacrer cela à la prière. En réalité, j'avais un message que je voudrais apporter à partir d'aujourd'hui. Et il est arrivé que le Seigneur est en train de conduire les choses autrement. J'aimerais seulement parler sur l'importance de la prière, mais la petite inspiration que nous avons ce matin, ce que je parle sur le partenariat, c'est-à-dire que vous êtes
le partenaire dans cette entreprise fiable. Amen. Vous n'êtes pas seulement venu pour investir votre argent, votre âme, et ainsi de suite, mais vous-même, vous êtes des partenaires. C'est sur cela que j'aimerais parler comme une petite inspiration cet après-midi. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, la Bible déclare que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et Frère Manam nous avait dit la fois passée, dans le message qui a été maintes et reprises, c'était le temps de décision, au paragraphe 50, là où Frère Manam nous avait fait une recommandation, en disant que ce soir, je vais vous recommander une vieille institution fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte, car le Saint-Esprit descendit pour demeurer parmi les hommes. C'est l'entreprise la plus fiable que je connaisse pour investir votre âme et votre avenir pour l'éternité. J'aime ça. Par une expérience de la Pentecôte à l'ancienne mode, elle a été testée, confirmée au fil du temps comme étant la vérité et 2000 ans après, cela ne l'a pas trop changé. C'est pourquoi nous faisons encore confiance à cette indication, cette recommandation du prophète. Et nous croyons qu'il y a cette entreprise, comme cela a été parlé par le révérend Nathan, et nous avons parlé cela sur les investissements. Mais cet après-midi, cette entreprise, c'est l'entreprise de elle et là, Elohim, celui qui se suffit en tout. Celui qui n'a pas besoin d'être extérieur. Celui qui a créé toutes choses. C'est sur lui que nous allons un peu parler ce soir. Et c'est dans son entreprise dont nous sommes les partenaires, dont nous sommes donc les associés, en d'autres termes. Donc, dans le message, l'épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué prêché en 1960, au paragraphe 99, que l'on déclare, permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière en Genèse, chapitre 1, verset 26. Je vais reprendre cela mercredi, quand Dieu a fait l'homme. Avant de faire l'homme, il s'appelait elle, la Élie. Et c'est moi qui dis en hébreu, celui qui existe par lui-même, absolument par lui-même. Et rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qui est jamais lui. Celui qui existe par lui-même. Et elle est là, Elohim, ce qui veut dire que celui qui se suffit en tout, qui peut tout, le tout puissant, celui qui existe par lui-même. C'est dans son entreprise que l'homme est appelé pour être partenaire. C'est pour cela que je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre ces choses. Comme l'a dit Frère Branham dans les messages de l'unité infaillible, prêché en 1960 par 88, il a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est à moi en vous, et vous en moi. Il est venu unir Dieu et l'homme, Jésus. Est-ce que vous le croyez? Puisque l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu, et devenir lui-même le Dieu de la terre. Tout à fait. Mais il avait perdu ses origines à cause du péché. Vous pouvez lire la suite. Donc, le Tout-Puissant, celui qui se suffit en lui-même, celui qui peut tout faire, cette personne qui n'avait pas besoin d'être extérieur, mais dans son passé, il voulait créer un homme à son image. Et cet homme créé à son image devrait être le Dieu de la terre. Mais ce qui m'intéresse, le tout suffisant avait besoin d'une aide. Et l'aide devrait être un homme créé à son propre image. Et nous avons entendu que l'homme lui-même est la divinité. C'est pour cela qu'il doit être un Dieu de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. C'est dans cette entreprise de celui qui est le tout suffisant,
Donc, celui qui ne peut faillir, celui qui ne connaîtra jamais d'échec, c'est dans son entreprise que nous sommes appelés pour être le partenaire, les associés de El Elohim. C'est pour cela que vous allez le voir dans ce livre que nous venons de lire dans Matthieu, alors que le disciple était là, Jésus a vu un peuple languissant, abattu, et le Seigneur a eu pitié d'eux. Il a eu de la compassion envers eux. Et je crois ce soir que Jésus le demain, le même hier, aujourd'hui et demain. Quand tu vois un peuple languissant, quand tu vois un peuple abattu, coincé, Dieu a toujours besoin de la compassion vers son peuple. Et il prononça cette merveilleuse parole en disant aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est cela que j'attire votre attention, que le maître de la moisson, c'était lui-même. C'est lui Dieu qui était manifesté en chair. Mais il savait que la moisson étant grande, il a besoin de grands, de beaucoup de ouvriers dans la moisson. Mais il donne une responsabilité aux disciples, à l'église, aux croyants, que demander le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans le champ. C'est-à-dire que si on ne demande pas, il n'en voit pas. Et pourtant, il sait que la moisson est grande. On a besoin des ouvriers. C'est pour cela que dans les messages de la puissance de décision prêchés en 1955, au paragraphe 12, j'aimerais attirer votre attention par cela. Frère de l'art, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous le fassions. Celui qui est le tout suffisant, l'Éternel, elle est là, elle est l'homme qui peut tout faire. Mais quand il créa l'homme, il a partagé des responsabilités avec l'homme. Il a donné une part de responsabilité à l'homme, une charge à l'homme. Parce que l'homme était créé pour être l'aide. Et ce soir, l'homme-là, ce n'est pas seulement Adam dans le jardin d'Éden. L'homme-là, c'est l'homme qui me regarde ce soir et qui m'écoute. Dieu vous a placé sur la terre ce soir pour que tu sois l'aide de El Elohim. Pour que tu partages la responsabilité avec Elohim le fort. Et chacun doit garder ses responsabilités. Dieu garde ses responsabilités, l'homme doit aussi accomplir ses responsabilités. C'est pour cela, frère vient de le dire, vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions. Savez-vous cela? Écoutez, nous sommes le serment. Il est le cèpe. Il est le grand cèpe, le grand arbre. Mais le cèpe ne peut pas porter les fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Est-ce vrai? Amen. Mais c'est, je suis allé prêcher quelque part dans une église de pasteur Philippe. Il y avait 6 femmes. Si je vous joue la bande de la prédication là où je prêche là, 6 femmes dans l'église, vous allez trouver beaucoup de bruit. 6 femmes. Je pense que le temps avec les honorables là. 6 femmes dans l'église. Et quand vous dites quelque chose comme ça, il répond, c'est comme s'il les embrouille même. Si vous n'êtes pas bien assis, donc il vous embrouille. Donc l'église, ce n'est pas donc une morgue. Nous venons à l'église pour écouter un seul mot de sa part. Et c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. Soyez attentifs à cela. Frère Bernard de Glaire, nous sommes les serments, il est le cèpe. Mais ce n'est pas le cèpe qui porte le fruit, ce sont les serments qui portent le fruit. Et bien, il nous donne l'énergie, mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Amen. Toute la responsabilité ne repose pas sur Dieu. Amen. Dieu a donné une part de responsabilité à l'homme. Amen. Et vous devez connaître pourquoi vous êtes venu sur la terre. Vous devez connaître pourquoi vous êtes à l'église. C'est pour être l'aide de Dieu. Amen. Frère Mandela, comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Le Saint-Esprit est ici ce soir, comme nous, vous le voyez chaque soir. Il vous connaît, mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Amen. Est-ce vrai? Amen.
Nos mains sont ses mains. Nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Et bien, Jésus s'était allé un jour et regardant la moisson. Croyez-vous qu'il était le maître de la moisson? Il regardant la moisson, il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est nulle, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais qu'il devrait être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'on lui demande de le faire. Là, j'attire votre attention que ce maître de la maçon, le Seigneur Jésus, il sait ce qui doit être fait. Mais il ne le ferait jamais à moins que vous demandez cela. C'est pourquoi nous parlons sur le pacte de loi. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes associés dans cette entreprise. Mais elle, Elohim, est là. Amen. Cette entreprise qui ne faillira jamais, qui paie ses dividendes jusqu'à ce soir. Je lui fais confiance ce soir. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre cette responsabilité à que Jésus donc responsabilise les disciples. La part de responsabilité que les hommes ont sur la terre des vivants. Jésus sait que vous avez besoin de maison. Jésus sait que vous avez besoin de ceci, de cela. Mais pour qu'il le fasse, à moins que vous le demandiez. Parce que vous me direz, mais lui, il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît que j'ai de tels besoins. Il connaît que tel a besoin de tel. Mais il ne le fera pas à moins que vous le demandiez. Béni soit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Il travaille toujours par un homme parce qu'il devait utiliser un homme. L'homme qu'il devait utiliser pour déployer ses attributs de sa de sauveur. Comme il devait faire cela, il se tourna et fait de l'homme son partenaire. Il ne fait rien sans qu'il le fasse à travers un homme. Toute l'œuvre de la rédemption est venue par un homme. Alléluia. La mort est venue par le premier homme. La vie est venue par le second Adam. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir un homme dans sa main. Amen. Et vraiment de là, il a racheté l'homme au travers de l'homme. Amen. Mais n'oublie pas, il est Ella Elohim, les tout suffisant, qui peut tout faire. Mais il avait un programme. Son programme, c'est créer l'homme à son propre image pour qu'il soit son être. Béni soit le nom du Seigneur. En train de prier, il dit maintenant, nous savons que tu ne parles qu'à travers les œuvres humaines, les œuvres humaines. Tu as fait de l'homme ton agent. Mais tu as dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et tu es toi le maître de la moisson. Mais dans ton plan, tu t'es tellement associé à l'homme que tu ne peux rien faire en dehors de cela. Amen. Si nous pouvons réellement comprendre cela, nous allons alléger la tâche à Jéhovah. Parce que ce soir, nous pouvons nous représenter un Dieu plein de choses, de bénédictions et de puissance, mais sans jamais toucher. Et il dit, il n'y a personne qui me demande cela. Il a tout ce dont nous avons besoin. Il connaît même ce besoin-là, mais il ne voudrait pas demander moi. C'est pour cela, la Bible déclare, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas et vous ne demandez pas. Béni soit le nom du Seigneur. Allez réveiller Jésus. Frère Madame de Mila, par le nom de Jésus que tout le monde a dit, on imposera les mains ce soir, soit que chacun d'eux, qu'il n'y ait aucune personne faible, que chaque personne malade, mourante, souffrant de cœur, de maladies gynécologiques, du cancer, de la tuberculose, de la leucémie, et je ne sais de quoi encore, soit guéri ce soir, Seigneur. Amen.
imposons les mains. Que les gens reconnaissent qu'il ne s'agit pas juste de passer à côté d'un homme, mais que Dieu et l'homme sont un. Amen. Dieu est entré dans l'homme et Dieu ne fait rien sans l'homme. Amen. C'est ça qu'il fait. Ses œuvres sont pas au travers de l'homme. Il a fait de l'homme son partenaire. Lorsque Jésus était là, il a regardé la moisson, il a dû demander le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais être bon. Bon, ce sont des notes très importantes. Si vous êtes attentif et attentif, vous pouvez comprendre cela. Demandez-moi de faire ce que je sais être bon. Ce n'est pas que lui ne sait pas. Il le sait. Il sait ce qui est agréable, ce qui est bon pour toi. Il sait que vous savez que vous êtes malade, vous avez besoin de la guérison. Il sait que vous avez besoin d'une belle maison. Il sait que vous avez besoin de ceci, de cela. Il sait que c'est bon. Mais pour qu'il le fasse, à moins que vous lui demandez. Parce que en tout, on a toujours comme un slogan, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Si lui connaît toutes choses, qu'est-ce que je peux? Il connaît toutes choses. Mais vous avez une responsabilité ce soir. Dernier soir, oui, Seigneur. Mais il s'était connecté à ses disciples et c'était à eux de demander. Il a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Mais Père, nous croyons et ce soir, nous réclamons encore ta miséricorde envers nous. Béni soit le nom du Seigneur. Une fois qu'il a mis le regard de la moisson, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oh Père, nous savons que tu veux que nous fassions cette demande. Nous sommes tes associés. Amen. Il faut que nous soyons ensemble. Nous nous rendons compte que même un ange ne peut rien faire. Il faut des hommes. J'aimerais que vous puissiez comprendre, que vous puissiez vous représenter le rang des chérubins. Gabriel, Michael, ainsi de suite, tous ces anges là-bas, le séraphin. Mais il y a des choses auxquelles l'ange n'est pas compris. Mais Dieu s'attend à ce que l'être humain dépasse. Béni soit le Seigneur. Philippe fut envoyé par vers l'unique éthiopien. Certainement, Seigneur, il fut envoyé par un ange. Mais il fallait le maître Philippe, certainement. Amen. Pour que la vie soit transmise à cet éthiopien, bien que l'ange a envoyé Philippe, mais il fallait le maître Philippe. L'intervention humaine. Amen, amen. Nous comprenons que Paul avait une vision sur la route de Damas. Mais il a fallu les mettre dans la nasse. L'église appela sortir l'Élie pour lui transmettre la vie. Amen. Mais Paul a rencontré la colonne de feu. Il a été brûlé. Il parla à la colonne de feu et la colonne de feu lui a parlé. Mais jusque-là, Paul n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a fallu que le Paul, mon frère, reçoit la bénédiction. Et Paul parle, mais d'Ananias, il a reçu la puissance vivante. Pourquoi Dieu, sans l'homme, il ne peut rien faire. Mais elle est là, Elohim est fort. Le tout suffisant, il a besoin d'une aide. Et l'aide, c'est l'homme créé à son propre image. J'aime ça. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu travaille par l'intermédiaire de l'homme. Notre Père Céleste, tu connais nos besoins avant que nous puissions même te demander du frère Bala. Avant que nous puissions demander, il connaît nos besoins. C'est dans les messages. Être persévérant, prêcher le 19 juin 64, paragraphe 9. Notre Père Céleste, tu connais nos besoins avant que nous puissions même demander.
Jésus nous a enseigné. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Mais toutefois, nous devons demander. Béni soit le Seigneur. Il a dit prier. Le maître de la maçon va envoyer des ouvriers dans sa maçon. C'est lié tellement avec l'or qu'il ne travaille que par l'intermédiaire de l'or. Créons l'homme à notre image. À notre terme, plaçons une divinité dans une chair. Amen. 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 Et que cette chair de la divinité soit sur la terre. Et partage avec moi les mêmes attributs. Amen. Et avec les mêmes responsabilités. Qu'il soit comme moi, qu'il parle comme moi, qu'il agisse à ma place. Amen. Voilà Dieu qui craigne l'homme à son image. Genèse 1, verset 6. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait besoin? Il avait besoin d'une aide. Amen. Une histoire de lui, Seigneur. Dieu s'est lié tellement avec l'homme qu'il ne peut rien travailler sans l'homme. J'aime ce Dieu-là. Il a choisi l'homme pour travailler pour lui. Il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile. Il aurait pu choisir les vents, les arbres et les étoiles. Mais il a choisi l'homme. Il se voile à l'intérieur. Il se cache aux yeux des croyants et se révèle à celui qui veut. C'est pourquoi, Seigneur, lorsque ces gens, quand ils viendront ici et que nous leur imposons les mains, l'homme sont un. Amen. Oh Dieu, quel Dieu merveilleux. C'est dans peu de temps que ça doit rentrer dans la Bible. Je ne sais pas un mot comment on va parler ce soir. Oui. Priez le maître de la maçon afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maçon. C'était le maître lui-même de la maçon qui parlait. Vous voyez? Vous n'avez que vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas, demandez abondamment. Amen. Demandez abondamment. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Voyez, frère, madame déclare, Dieu compte sur le fait que vous demandez. Amen. Et que vous croyez que vous recevez ce que vous demandez. Amen. Donc Dieu compte sur vos demandes. Pas ceci, mais il ne me demande pas, mais j'ai ça, j'ai la puissance pour faire ça, mais il ne me demande pas ça. Alléluia. Amen. Amen. J'ai la gloire, j'ai l'autorité, j'ai la richesse, mais il ne me demande pas. Alors, Dieu compte sur mon demande. Et je le vois ce soir sans l'homme de Dieu. Et regardez les grands joueurs, mais tout suffisant, elle est là, elle est le livre. Dans sa miséricorde, il regarde sur la terre, il voit jambes gonflées, avec des enfants dans sa poche, souffrant et mourant. Alléluia. Dieu qui est compatissant, il conduit un petit animal chez un chasseur. Amen. Et le petit animal entre dans la parcelle, il s'assoit, il le laisse sur les marches de lui maintenant. Et il fait là-bas pendant 24 heures. Alléluia. La petite Becky n'avait pas pu dormir la nuit et elle se réveilla tôt le matin. Elle demanda à son papa, « Papa, qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal, cet opossum ?» Rebecca dit, « Je n'ai pas pu bien dormir. J'ai pensé à cet animal pendant la nuit. » Et frère Madame déclare, « Oui, moi aussi, j'ai pensé à lui. » Oh my Seigneur. Mais il dit que je suis un chasseur, mais je ne suis pas un assassin. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez remarquer quelque chose. Frère, on entre dans le bureau. Une fois, lui parle en disant, j'ai envoyé cet animal pour que tu puisses prier pour elle. Il s'est tenu là-bas comme une dame attendant son tour dans la ligne de prière. C'est moi,
Il dit, Seigneur, est-ce toi qui me parle? Est-ce toi qui a envoyé cet animal, Seigneur? Oui. Mais le tout suffisant et le même effort, celui qui peut tout faire, ne pouvait pas guérir l'animal lui-même. Ce petit animal, dans un instant, les instants qui ont suivi, la jambe qui était gonflée et pourrie s'est redressée et l'animal s'est tenu là normalement, en bonne santé. Il rentre à la villa avec ses enfants, il place ses enfants dans sa poche, il arrive à la barrière, là il regarde en arrière comme ceci pour dire merci, gentil. Vous savez, il y a des choses que nous, nous pouvons faire que Dieu ne peut pas faire. Amen. Et frère, en regardant que si Jésus de Nazareth s'est tenu ici dans cette réunion, et que vous le regardez et vous lui demandez, Seigneur Jésus, guéris-moi, il vous dira, je ne peux pas vous guérir. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas ses principes. La première décision qu'il avait prise depuis le jardin de Dieu, depuis l'éternité, il en a ce soir, car Dieu ne change jamais sa pensée. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, frère, madame, regarde. Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis le dimanche passé. Je vais penser aux moyens. Je vais penser aux ressources qu'offre la prière. Alléluia. Apparemment, nous n'avons pas aux yeux du monde une arme très puissante, mais cette petite fronde est une prière quand on la tient avec le maître de la foi. Alléluia! C'est l'arme la plus puissante placée entre les églises, c'est la prière. Et Dieu attend que vous puissiez lui demander. Fait une promesse, il est fidèle à sa promesse. Je ne crois de tout mon cœur, mon frère. Béni soit le Seigneur, que cette petite offrande est mutuelle. Oui, Seigneur, mon Seigneur, que nos prières touchent la cible. Nous avons besoin de prières qui touchent la cible. Pas les prières qui sont envoyées dans l'air, mais qui peuvent toucher la cible. Frère, de là, que la mort qui est là-bas soit suspendue au-dessus de cet enfant. Que l'obscurité et les ténèbres quittent les cheveux de cette petite enfant, ce bébé ou cet enfant, cette petite fille. Que la grande lumière de la présence de Dieu brille sur elle. Et qu'en sortant de l'hôpital, cet enfant soit en bonne santé. Que nos prières touchent la cible. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons faire que Jésus ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu sait que vous avez besoin, mais il demande à ce qu'il attend ce que vous puissiez lui demander. Alors, mon frère, ma soeur, il est toujours le même Elohim, le fort. Elle est là, le tout suffisant. C'est lui qui peut tout faire, mais il a un programme. J'aime ça, mes amis. Les disciples étaient partis sans Jésus comme le grand Moïse ne nous avait pas parlé. La fois passée ici, je prends une pensée là-bas et nous allons dans la prière.
Quand il a envoyé les disciples, il a dit, allez, et lui, il est allé quelque part pour la prière, pour s'écarter, s'isoler dans la prière. Dans le chapitre précédent, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Je parle de cette manière que vous puissiez comprendre notre faille, là où nous avons failli. Suivez cette lecture de la parole, ce verset ou cette déclaration de Frémana. Dans le chapitre, le verset là, le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière, pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Alléluia. Amen. Et vous avez le mot? Oui. L'Esprit qui était en lui. Mais pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, il fallait beaucoup de temps dans la prière. Et frère Branham déclare, si Jésus a consacré beaucoup de temps dans la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Oh Dieu. Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que cela représente, le temps de la prière. Si vous saviez ce que ça représente, le temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination de tant de différentes choses qui devraient arriver. Quand vous êtes dans la prière, Dieu change la destination. Dieu change la destination des choses qui devraient arriver. Voilà pourquoi Jésus consacre trop de temps dans la prière. Prière change de temps et de circonstances. Frère Branham pose la question, croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Et votre prière pourrait changer toute la situation. Alléluia! Alléluia! Ce soir, il peut y avoir des choses qui sont en route vers votre maison. Ce soir, que nos prières ce soir doivent détourner les choses qui devaient arriver. Amen. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Frère Branham déclare et vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrais-je alors faire ma prière? Qu'est-ce que ma prière fait? Si Dieu sait que la chose va arriver, qu'est-ce que ma prière va faire? Frère Branham déclare, vous vous rappelez quand il s'est tenu là, contemplant la moisson. Il était le maître de la moisson, il a dit, la moisson est nulle, mais peu nombreux sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Et je vous dis que c'est une chose très importante. Un Dieu qui connaît nos besoins. Mais qui s'attend à ce que nous puissions lui demander. C'est sa nature. Amen. Et vous ne changerez jamais la nature de Dieu. Béni soit le Seigneur. Frère Branham continue, il dit, mais une partie de cela est dans les êtres humains. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Une partie de cela est dans les êtres humains. Oh, mes frères, j'étais en train de réfléchir. Si toute l'ensemble que nous sommes, si chaque croyant que vous êtes, nous allons comprendre les choses de cette manière, je vous déclare que vous verrez des choses arriver. Amen. Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Je sais que dans le verset, je suis le seul pour vous être des savants. Le cèpe ne peut pas porter du fruit, ce sont les savants qui portent du fruit. Dieu ne peut pas lui-même porter du fruit, il faut que ça soit l'Église. Et c'est juste. Il faut qu'il vous prenne, vous les savants, pour porter du fruit. Lorsque vous les savants, vous vous abandonnez au cèpe, alors le fruit apparaît. Parce que c'est lui qui est le cèpe. Il a la puissance pour prêcher la parole, mais il ne prêchera pas sans l'or. Oui. Dieu a la puissance
commence de faire voir des visions, de parler en langue, de prophétiser. Mais il ne fera jamais sans avoir des gens consacrés qui s'abandonnent à lui. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu a besoin de vos mains. Il a besoin de vos yeux. Il a besoin de votre langue. Il a besoin de vos lèvres. Il a besoin de vos oreilles. Beaucoup de temps dans la prière. Amen. Et c'est là que je déclare du haut de la chair que nous avons failli, commençant par moi-même jusque-là, au dernier banc. Béni soit le Seigneur. Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour, il parla à ses disciples disant, maintenant traversez de l'autre côté. Il les envoya au moins pendant que lui était monté à la montagne pour prier. Pendant qu'il se trouvait là au sein, effectivement, une tempête a surgi. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté, mais je crois que je devrais attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous puissions partir là ensemble. Ça, c'est le désir de Victor Banam, ce que Victor Banam pense faire, à la place des disciples. J'aimerais qu'il soit avec nous dans ce cas comme cela, pas vous. Amen. Ainsi, nous le voyons maintenant monter à la montagne pour prier. Les disciples se sont précipités à la mer. Ils ont pris leur rame. Ils ont hissé les voiles de leur petite barque. Ils se sont mis en route, à ramant pour traverser de l'autre côté où Jésus devait les rencontrer, de l'autre côté. Alors qu'ils partaient sans le Saint-Esprit, ou plutôt sans Christ qui était à ce moment-là sous une forme visible. En route, il y eut des ennuis. Écoutez ce que suit mon ami chrétien. Il dit, en route il y a des ennuis, et généralement, habituellement, d'habitude, si vous vous mettez en route quelque part sans Christ, il y aura des ennuis sur la route. Aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ. Immédiatement, il se mettra à votre poursuite aussi vite que possible. Ça, c'est l'ancien dragon, le diable, les combattants là, les guerriers là. Il vous observe. Dès que vous commencez à suivre votre route sans lui, oh, dit que c'est ça l'occasion. C'est ça l'occasion. Quand vous perdez la communion, laissez-moi terminer cette déclaration que je déclare. Lui de la consécration, Satan vous attrapera immédiatement s'il le paie. Quand le diable vous voit, lui de la prière, lui de la consécration, il y a la prière, il y a aussi la consécration. Amen. Dès que le diable vous voit, lui de la prière, lui de la consécration, il dit que c'est le moment. Il restait longtemps dans la prière pour garder la communion avec l'esprit qui était en lui. Il est le Fils de Dieu. Il est le modèle de tous les croyants. Il nous montre comment vaincre Satan. Et faire de là, la prière, c'est ce qui change les choses. C'est le secret de tout ceci, la prière. Et Frère Madame dit,
je passe une grande partie de ma vie dans la prière. Parfois, je prie des semaines et des semaines. Alors, là, il y a c'est là que nous avons failli. Sur le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même, connaissant le verdict de Satan, connaissant que le Satan est lié, alors il est resté longtemps dans la prière. Pas étonnant qu'il nous ait dit dans sa parole, priez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations de Satan. Amen. Mais si vous faites votre route et lui fait sa route, nous sommes en cœur. Et le seul moyen d'échapper à cette attaque, d'échapper aux embûches, aux attaques, ainsi de suite, rester dans la prière et dans la consécration. Pas étonnant que les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher. Nous ne voyons pas le résultat escompté. Pas étonnant que nos prières ne touchent pas la cible. Pourquoi on n'a pas consacré beaucoup de temps dans la prière? Frère, on déclare que si l'Église reste longtemps dans la prière, les choses vont arriver. Amen. Amen. Au verset 9-10, c'est pour eux que je prie. Je ne peux prier pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et qui ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié. Amen. La puissance de Dieu. Tout ce que je suis était appartenait à son Père, l'Esprit qui était en lui. Et la Bible déclare que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Christ parce que vous avez été racheté par un grand prix. Amen. Le croyant ne s'appartient pas. Votre corps ne t'appartient pas. Votre esprit ne t'appartient pas. Votre âme ne t'appartient pas. Tout votre être doit appartenir à Jésus. Pourquoi? Nous travaillons en partenariat. Nous sommes dans une entreprise où nous avons associé. Dieu donne l'énergie, mais il a besoin d'un corps. Amen. Il dit que j'ai la puissance, j'ai l'énergie, mais je ne peux pas travailler sans un corps. J'ai besoin des associés, j'ai besoin des partenaires. C'est ainsi que je lance un appel chez vous pour que tu sois partenaire de Jéhovah. Et je te dis ce soir, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois membre de l'église. Dieu t'appelle pour être en partenariat avec lui-même. Et lui, il est fort, mais tout suffisant. Mais il avait un programme de créer l'homme à son image. Amen. Il voulait partager ses responsabilités. Il voulait utiliser ses talents. Il voulait utiliser ses capacités. Et placer cela dans l'être humain. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Si nous n'atteignons pas cela, nous avons failli bien que notre église peut croître en nombre. Mais comme nous sommes en partenariat avec lui, frère, on me déclare, je me tiens à la porte, je frappe. Prêchant 57. Car il est le Seigneur sur tout. Car il devient le Seigneur. Parce qu'il est le maître. Et le maître, c'est le propriétaire. Celui qui possède toutes choses. Lui qui a l'autorité. C'est pour cela qu'il frappe à votre cœur. Frère, pas me frapper sur la chair. Laissez-les entrer. Je vais entrer et souper avec vous. Paragraphe 25. Ce que c'est souper, c'est la communion. Quand vous avez communié l'un avec l'autre, combien alors le Seigneur et vous, vous êtes amis intimes. J'aimerais que le Seigneur avec nous soit un ami intime. Frère Branham ajoute, vous êtes partenaire. Et tout ce que vous savez, il l'a aussi.
El Elohim, là. Et tout ce qu'il a, vous l'avez aussi. Amen. Vous voyez, il devient fou afin que vous puissiez devenir lui. Et ce qui est juste, mon âme, frère, nous déclare, tout est en commun. On a les choses en commun. Ce qui appartient à Jésus m'appartient. Ce qui appartient à son Père appartient au Fils. Ce qui appartient au Fils appartient à l'Église. Nous avons tout en commun. Alors, pourquoi vous craignez? Y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Non. Mais je désire que cette note, nous puissions entrer dans la prière avec ça. Nous avons tout en commun. Dieu ne prive rien à ses enfants. Il n'y a pas de choses que Dieu vous a privé dans son royaume, dans son entreprise, dans son économie. Dans tout ce qu'il a dans son économie, vous l'avez. Pas étonnant qu'il nous dit dans sa parole, ne crains point champ, ne crains point petit troupeau. Ne crains point pourquoi nous avons tout en commun. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est en vous. Amen. Je suis au milieu de vous. Amen. Je ne suis pas venu apporter la clé de l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Prononce la parole, je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Pourquoi nous sommes en partenariat? Église du Dieu vivant, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions nous demander pourquoi nous sommes venus ici à la terre. Il est temps que nous puissions nous demander pourquoi je viens à l'église. C'est pour être en partenariat avec Christ. Toute la puissance qui a amené le monde à l'existence n'est plus au ciel, elle est dans les croyants. Que l'homme est omnipotent. J'allais à la paresse là, mais je vais le dire, l'homme est omnipotent. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tout ce que vous demanderez en priant, ayez la foi que vous avez eu, vous devez s'accomplir. Et mon prophète de là, tout vous est soumis dans la prière. La fontaine précieuse, elle est gratuite. Amen. Yeah.
Amen. 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 À la gloire. À la gloire. Sois ma gloire. Et à la gloire, je dois chanter la gloire étant en genoux. Je dois chanter la gloire étant dans un état de consécration. Quand Dieu a besoin de la prière et de la consécration, à la gloire. Je le crois. Il attend qu'on vous aide.